Il parvient encore à se fondre dans la foule. Pourtant, c'est un comédien remarquable dans tous les sens du terme. Depuis son César du meilleur acteur l'année dernière pour Petit Paysan, Swan Harlow enchaîne les films et impose son visage gracile et son intensité. Habitué au rôle dramatique, il est poignant dans Grâce à Dieu de François Ozon où il incarne l'une des victimes d'un prêtre pédophile. J'ai à disposition des photos du voyage en Irlande où ma mère était accompagnatrice et à qui j'ai avoué ce que j'ai subi seulement après avoir eu 17 ans. Ma mère avait alors loué un appartement au boulevard de Provence face à cette fameuse église que je pourrais décrire dans les moindres détails. Il sera également dans quelques jours à l'affiche d'un premier long métrage, Exfiltré. Autant de raisons d'avoir envie de faire plus ample connaissance avec ce jeune homme très discret, devenu incontournable. Ça fait quoi d'avoir un César chez soi? J'aimerais bien savoir, enfin d'avoir un César tout court, je ne saurais jamais l'impression que ça fait. Disons que ça donne un peu de sérénité. D'un coup, c'est comme si la profession validait et un oui, peu. Tu as raison d'être voilà. Là. Oui, tu as raison d'être là et tu le mérites, bien sûr. Est-ce que c'est vrai qu'après le César, vous retourniez sur le film de François Ozon et que vous lui avez dit que vous aviez peur de plus savoir jouer? Ouais. Mais ça, c'est une chose que je me suis racontée tout seul. Hein, parce qu'on a le sentiment d'arriver et de se dire bah, tout le monde attend à ce qu'on fasse un truc extraordinaire. Et en effet, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça va, tu trouves pas que je suis mauvais depuis que j'ai eu un César? Il m'a dit pas encore. Voilà. Après Grâce à Dieu, Swan Harlow a enchaîné avec un autre sujet sensible, le départ de certains Français pour la Syrie. Exfiltré est une histoire vraie et à peine croyable, celle d'une chaîne de solidarité citoyenne qui, en 2015, se mit en place en dehors de tout soutien de l'État pour rapatrier une femme et son enfant partis à Raqqa. Aux côtés de Charles Berling ou encore de Finnegan Oldfield, qui hérite lui du rôle d'homme de terrain baroudeur, Swan Harlow incarne avec sa sensibilité habituelle un père aux abois. Bachar el-Assad n'a aucun intérêt à détruire Daesh, ils lui servent d'épouvantail. De toute façon, vous voyez, il y a pire que moi, donc il faut me garder en place. Ensuite, les djihadistes qu'on recherche passent en Syrie clandestinement. Donc il n'y a aucune trace dans les fichiers. Oui, mais elle m'a appelé. J'ai bien senti qu'elle voulait rentrer, donc là, je ne vais pas la lâcher. Elle va me dire où elle est, en fait. Ça ne changerait pas grand-chose. On n'a pas les moyens d'y aller. Et même si on avait quelques gars sur le terrain, on ne risquerait pas leur vie pour ça. Et donc, alors quoi? C'est moi qui vais y aller, en fait, c'est ça? Votre personnage, ce père donc, qui doit affronter le départ de sa femme et de son fils, ça aurait pu être un personnage assez passif. Ça, c'était le danger immédiat dont on a parlé tout de suite avec Emmanuel, le réalisateur. C'était de se dire comment on fait avec cette passivité, parce qu'en même temps, elle est évidente. Il ne peut rien faire, il est totalement démuni. Donc, à la fois, on a ajouté un peu des choses, des scènes où d'un coup, il s'énerve, oui, il se rebelle, voilà, on avait envie que ce personnage soit de plus en plus fort, en fait. Vous avez été curieux du rôle de Finnegan Oldfield, vous avez dit, tiens, j'aurais peut-être pu aussi jouer ce rôle-là. Ouais, carrément, carrément. Ouais, j'aurais adoré jouer ça. Mais en même temps, j'ai su tout de suite que c'était Finnegan et je l'adore. Je trouve que c'est un acteur super et puis il a une puissance comme ça, il a quelque chose qui me fascine un peu. Et donc, quand j'ai su que c'était lui, j'étais pas jaloux du tout. Mais c'est vrai que. Oui, mais au-delà de ça. C'est vrai que c'est un personnage. On m'aurait proposé ce personnage-là, j'aurais adoré le jouer, ouais, bien sûr. Oui, mais justement, ouais. Alors à quand le Swan Harlow, conquérant de l'impossible, baroudeur, agent double? Bah, on verra, ouais. On verra. Parce que vous dites souvent, voilà, on m'offre des rôles de garçons qui vont pas très bien. Oui. Ça commence à vous lasser? Non, ça commence pas à me lasser, c'est juste que j'ai pas du tout envie d'être étiqueté, de tomber dans une case. C'est-à-dire, parfois, on me demande qu'est-ce que vous rêveriez de jouer. En fait, je rêverais de jouer le truc auquel je m'attends le moins. Est-ce que le cinéma qui vous a nourri plus jeune est le cinéma que vous avez envie de faire? Peut-être moi, le cinéma qui m'a marqué, qui m'a touché quand j'étais gamin, c'était plus à l'endroit des acteurs. Et donc, il y avait une fascination pour le cinéma de Piala parce que il y avait quelque chose sur la vérité du jeu qui me questionnait beaucoup, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mmh. Et donc, je pense que de manière assez inconsciente, je tends vers ça. Mais en même temps, j'ai envie aussi d'aller dans des choses beaucoup plus abstractives. Ça veut dire quoi, abstractive? Parfois, il y a une manière d'être à côté de la réalité, de la vérité, mais qui marche très bien ouais, au cinéma, aussi, dans un là. Certain genre de cinéma. Mais je suis moins confortable à cet endroit-là, en fait, évidemment. Mais donc, j'ai envie d'y aller aussi, ouais. Merci, Swan Harlow. Avec plaisir. Pour toute l'humanité que vous mettez dans vos films. Merci.